Bon, et ben voilà les amis, pour moi c'est bon. Premier jour de jeûne, ça s'est fait, acté, deuxième jour, ben, on est parti pour le deuxième jour de jeûne. Bon, on est parti, hein. Direction je ne sais où, direction Saint-Jacques toujours. Je sais pas où je vais, mais j'y vais en tout cas. Encore bouffer du bitume pendant encore 4h, 5h, là, voire 6h, 7h. Aujourd'hui on va marcher encore. Je vais voir où est-ce que ça va mener maximum. Je sais rien du tout, je sais pas du tout où ça va mener, mais ça va être original. Ah là là, quelle vie les amis, quelle vie. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Il est où le soleil? Il est où? Ben, il est là. Il est là le soleil. Regardez-moi ça. Allez, on continue. Bon, on est bien là les amis. Allez, on va repartir. 15h15. Allez, deuxième jour de jeûne. Je suis content. Bon, j'ai reçu un truc de Pôle emploi. Donc, alors, de Pôle emploi, ils ont accepté le fait que ben, je reporte mon rendez-vous, ce qui fait que j'aurai plus de temps. Maintenant, la question est-ce que je continue à faire mon plan de base, c'est-à-dire tracer quand même au 5e, 6e jour, prendre le bus, me rapprocher au maximum pour arriver au 7e jour et ensuite après faire Finistère à Pépère tranquille. Et au 7e jour, comme ça au moins, voilà. Bon, j'aurais un peu grugé, mais voilà. Ou est-ce que je pourrais faire, j'arrête le jeûne, ou je fais mes... Non, j'arrête le jeûne, tranquille. Je continue de marcher. Donc je peux aller jusqu'au bout, là, vu que j'ai mon temps. Donc je fais le truc en entier. Et je calcule en fonction, et là je me refais mes 7 jours de jeûne. Je ne sais rien, mais je vais marcher, toujours en restant dans le jeûne, et je pense que la réponse va se profiler. Allez, c'est parti, on y va, on y retourne, sac à dos, let's go. Bon, vous pouvez voir, je transpire bien, je donne de ma personne, il fait super chaud, mais bon, je continue quand même à marcher, là je prends une petite pause. Bon, voilà quoi, ce soir ça a fait 48 heures de sans manger, donc sans manger, j'ai bu que de la flotte. Demain on est parti pour le troisième jour à jeun. Comme vous pouvez voir, ça va, je suis pas mort, tout va bien. J'ai failli craquer parce que voilà, je remarque que j'aurai plus de temps, mais je crois que je vais rester sur ma première initiative. Donc ce qui est embêtant, c'est que bon bah je ferai pas les 500 bornes exactement. Je vais rester sur ma première, je vais marcher maximum le temps que je peux. Et jeudi, je prendrai bel et bien un bus qui va un peu m'avancer à 10-20 km de truc. Ce qui fait que j'arriverai le 25 et 3 jours après. Et là, je remangerai. Donc, arrivé à Santiago, je remange. Je me ferai un bon repas. Je sais pas ce que je me ferai d'ailleurs, je verrai bien. Ce sera un peu ma récompense.
Ça me fait chier, hein. Mais j'ai, comment dire, j'ai le temps qui joue contre moi et ça m'énerve. Mais il faut que je le fasse. Donc voilà, je vais encore continuer. Bah après, je fais quand même des 30 km par jour. Donc ça va. Et à jeun, c'est pas rien. Donc voilà les amis. Je sais, c'est pas glorieux le fait que je triche. Mais d'un autre côté, c'est mon parcours. Et j'en fais ce que je veux et quoi qu'il en soit, j'en serai très fier. Donc voilà quoi. Je suis assez heureux. Et surtout après, bon bah, 7 jours sans manger quoi. Ce sera original. Allez, belle. Donc voilà quoi. Bon allez, la petite pause et il me reste encore 12 km à faire. Ça va le faire. Allez, on y va. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé mon endroit où pour dormir ce soir. Vu que je dormirai pas dans une ville, mais là, à côté de la mer, regardez, je vous montre. Voilà, je vais dormir là et la plage elle se trouve là. Je pense qu'ici on est bien. Je vais me foutre là, tranquillou bilou. Je dormirai là. Et le lendemain matin, je pourrais même me prendre un petit bain de mer et à côté, j'ai les douches. Donc tout ça pour vous dire que là, je vais être bien. Là. Pouvoir demain me baigner, me prendre une douche, tranquille, reprendre ma route pépère et y aller quoi. Voilà. Bon allez, tranquille, je me pose parce que là, c'est bon, j'ai fait assez de bornes, j'ai fait plus de 20 bornes. Tranquille ou bilou, ah c'est bon, je suis à jeun, on va aller mollo, demain j'attaque le troisième jour de jeûne, donc voilà, je vous ferai une fois que je serai bien posé, je vous dirai tout ce que je ressens. Allez, à tout. Bon bah voilà les amis, fin de la journée pour moi, je vais dormir ici, sous un, pas sous un cloître, c'est sous le H2O et Skula de surf, ça a le mérite d'être peut-être en ville, mais en tout cas, je suis dans un endroit où c'est calme, dans le sens que ben, c'est fermé, pas trop de monde, bon ça peut passer, il peut y avoir du passage, mais ça va aller, de toute façon j'ai connu pire comme nuit, c'est pas la pire nuit que je ferai, je pense pas, mais voilà, de toute façon là il y a encore du passage, c'est normal, il est 21h, 22h, moi de mon côté je vais juste essayer de dormir. C'est dommage, j'ai pas de douche, mais c'est pas grave, c'est la vie. Je vais pas en mourir. Et voilà quoi. Demain, j'attaque mon troisième jour. Donc là, je suis content. Là, j'ai réussi à tenir 48 heures. Alors, quel est mon ressenti en 48 heures? Ben, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal dans le sens que voilà, je me sens bien. J'ai pas de vertige ou quoi que ce soit. J'ai pas moins de force pour l'instant. J'ai pas le ressenti d'avoir moins de force que d'habitude. C'est normal. Voilà. J'ai pas plus de force ni moins de force. Je suis normal pour l'instant. C'est mon deuxième jour. Je bois pas mal parce que voilà, il fait chaud donc voilà, ça part. Mais bon, j'ai fait quand même en 2 jours quasi 50 km sans manger. Donc je suis assez fier de moi. On verra demain. Demain combien je vais faire et sans manger bien sûr, donc voilà, on verra bien si je refais encore un petit 25-30, je sais pas, en tout cas j'ai avancé, normalement je devais dormir sous la plage mais j'ai vu qu'il y avait plein de moustiques et tout le bazar et tout, je vous jure les gars, la tente c'est la vie hein. Je suis assez dégoûté de m'avoir séparé de ma tente, mais je suis dégoûté parce que c'est vraiment l'hôtel hein. C'est quand t'es dans une tente, c'est l'hôtel 4 étoiles hein. Tu te mets partout, ça se passe. Là je dors comme un clochard. Mais bon, ça va. J'ai mon petit matelas qui va bien. Et tant que j'ai mon petit matelas qui va bien, mon petit oreiller, mon petit duvet, je dors à côté, je prends mon sac au-dessus de moi et tout, et je dors comme ça, et voilà. Et ça passe, hein, ça passe. Faudrait vraiment que je tombe sur des cons qui veulent voler mes chaussures, parce que je retire mes chaussures quand je dors quand même. Et ensuite, j'ai pas le choix, quoi. C'est un peu comme ça que ça marche. Bon, allez. Faire un petit point topo, voir où est-ce que j'en suis et voir s'il n'y a pas un endroit plus chill. Et voilà quoi. Allez, on est reparti. Bisous.
Bon allez les amis, ouais, troisième jour de jeûne, il est 7 h du matin. J'ai pas réussi à dormir, j'ai fait de la. Je me suis mis dans un coin là-bas là. Je vous montre, je me suis mis là. J'ai posé mes affaires et tout. Donc ce qui était bien c'est que c'était plat, donc ça c'était sympa. Ce qui était moins bien c'est que je sais pas, il y a eu une enfin une house party, un truc comme ça, ce qui fait que ben il y avait de la techno jusqu'à pas d'heure pendant des heures et des heures, donc jusqu'à 4 h du matin. Donc comment vous dire que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai mal à la tête là, très mal à la tête. Donc mon truc c'est là après trouver de l'eau parce que je suis à court d'eau là bientôt. Et voilà quoi. Et après j'ai fait le bilan. Vous voyez, un peu comme ça là, t'es comme ça, t'es tout seul dans ton coin comme un clochard et tu fais le bilan de ta life. Tu te dis waouh, c'est chaud. Et après j'ai calculé vite fait si je retravaille. Tout ce que tu donnes à l'État. Putain que ça te fout la haine. Oh là là, j'ai calculé les impôts, tout ça. Bref, la grosse merde. Donc voilà quoi, en gros ça motive pas du tout. Mais bref, c'est la vie, c'est comme ça. Faut quand même travailler malgré tout. Alors, j'y retournerai. Et je suis pas encore au mois de septembre, donc voilà, ça commence déjà à me saouler. Mais bon, voilà quoi. Voilà. Ça me fait comprendre beaucoup de choses sur la vie. Sur dans la société dans laquelle on vit. Je crois que j'ai beaucoup à dire. Bon allez. Petit point topo et on y va. Let's go. Dormi là et je me sens d'une faible, mais un truc de ouf. Je crains que pour moi l'expérience de ne plus manger s'arrête aujourd'hui. J'aurais fait plus de 48 heures. Là, j'arrête. Je le sens, je suis faible, mais d'une force, les gars. Oh, faites pas ça chez vous, hein. J'ai voulu attendre 7 jours, finalement 2 jours et demi, 3 jours aura eu raison de moi. Je suis content d'avoir fait cette expérience parce que voilà. Mais là, j'ai dormi mais comme un rat mort. Donc je sais, j'ai dormi parce que j'ai pas dormi cette nuit, mais en même temps, je me sens mais là d'une zéro énergie quoi, que dalle. Si je continue encore à dormir. Ah ben, je dors ici jusqu'à 21 h, 22 h, mais j'aurai rien mangé de retour. Et ça va pas le faire, quoi. Ça va vraiment pas le faire. Salut Fabien, petite vidéo pour toi, mon ami. Je voudrais savoir, c'est quoi cette plante? Je te montre. C'est de la merde, ça picote bien, mais c'est quoi ça? Bon, je sais que je vais pas la manger, mais ça pique bien. Mais je sais pas ce que c'est. C'est juste à titre info parce que je sais pas. Bon, autrement, je vous fais cette petite vidéo, les amis, pour vous dire que voilà, hein, je suis bientôt arrivé. Encore quelques jours et j'y suis à Compostelle. Mais je triche, c'est pas bien. Je prends le bus. À un moment, je commence à en avoir marre. Avoir fait quasi 2000 bornes, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh putain, regardez-moi ça en plus.
Regardez, je te... C'est ça que tu veux faire, te montrer mon cul? Allez. J'ai peur qu'il me foute un coup dans la gueule. Allez. Le pire. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Vous avez vu? Elle me fonce dedans. Je veux être tranquille. Je veux juste passer mon chemin. Une vache qui me fonce dedans. Ah, c'est la première fois ça. Oh là là, oh là là. Oh, elle est mollo avec les vaches. Surtout si c'est un taureau. Ah punaise. Surtout qu'en plus de ça, j'ai quoi? J'ai encore une vingtaine de kilomètres à faire aujourd'hui. Et j'ai fait 3 jours de jeûne, les amis. Je suis mort. Là, j'ai rien dans le ventre. Là, vous me voyez, je suis mort. Je vais aller manger. Là. J'ai voulu voir combien de jours est-ce que je peux tenir. Je m'avais fixé 7 jours. Et de 7 jours, je passe à 3, parce que là tout à l'heure j'étais parti en train de dormir, j'en pouvais plus et j'étais à deux doigts de me faire un malaise, je crois. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, c'était pour tester mes limites. Je remarque que mes limites c'est pas ça, mais bon, j'ai fait 3 jours de marche intensif, mais à jeun, pour voir ce que ça faisait. Bah, ça fait pas du bien. Je pense qu'il y a certains yogis qui y arrivent, ben moi je suis pas un yogi et je sais pas le faire. Donc je suis mort, je suis claqué. Voilà, faut pas jouer avec sa santé les gars. Bon là ça va, c'est que 3 jours donc voilà. Donc là je vais gentiment aller à une ville, supermarché, tout ça, acheter de la bouffe. Bon, on va faire une petite santé niveau bouffe. Et continuer ma route et dans 3-4 jours. Prendre le bus, m'avancer un peu et après continuer. Voilà. Enfin voilà, c'était le petit message que je voulais vous lancer. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et merci Fabien pour ta réponse. Allez, bisous. Bon bah voilà les amis. C'est parti, j'ai mangé. Maintenant, je vais tranquillement aller continuer ma life. Tranquille ou bilou. Je vais avancer. En tout cas, ça fait du bien de manger. Ah, j'ai les yeux bleus. Bon, allez, on continue. Let's go. Bon, salut les amis. Ok, le jour s'est levé, je me suis levé. Alors, pourquoi hier j'ai pas fait de vidéo? Hier j'étais mort, j'étais naze. J'ai même pas fait de vidéo de fin. Bravo, Paul-Henri! Non, j'étais claqué. Pour vous raconter, j'ai trouvé une auberge. Donc je me suis mis dans l'auberge, j'ai pris ma douche et après je me suis foutu dans le pieu et j'ai dormi comme un rat mort. Mais je suis tombé comme ça. Boum. Bon, pour le jour de jeûne, terminé. Terminé pour moi. J'ai fait 3 jours d'affilée. Terminé. Voilà, j'ai pu tenir 3 jours d'affilée. Avec un petit record personnel de je crois que j'ai fait entre 80 et 90 km sans rien avoir dans le ventre. Donc voilà, avec un bon sac et des belles côtes et tout. Donc je suis content. Petit record personnel sans rien avoir dans le PID. Donc c'était pas mal. Une petite expérience comme ça, savoir où sont mes limites. Ben, je les ai trouvées. Pour moi, c'est 3 jours avec de la marche intensive. Et 7 jours, je les ai tenus. Et c'était, comme je le disais, dans d'autres conditions. C'était dans des conditions beaucoup plus soft. Et surtout, quand t'es à la maison, tout ça, bah, le fait de pas manger, bah, tu bouges pas trop, c'est facile. Tandis que là, 3 jours, ça a été... Surtout en marchant en H24, ça a été au-dessus de mes forces. Surtout quand j'ai passé une seule nuit, je crois que ça a accumulé. J'aurais pu tenir plus, je pense, mais la nuit que j'ai passée dehors était tellement pourrie
que nuit blanche, tout ça, j'étais vraiment dans le mal. Donc, pas bon. Alors, encore une fois, j'ai réfléchi. Je réfléchis tout le temps. Là, je vais direction L-Elsa. Ça s'appelle comme ça. Enfin, il y a deux L et S-A. Donc là, je vais direction cette ville. À cette ville, je prends le bus. Direction Lugo. Lugo, il me restera plus que 100 km. Ah, mais tu triches ? Ouais, je triche. Je vais direction Lugo. Parce qu'il me restera plus que 100 km. Et 100 km, ce sera parfait pour faire 3 jours, 3 ou 4 jours, tranquille, pour justement arriver à Saint-Jacques. Et après, partir de Saint-Jacques direction Finistère pour rentrer en Belgique avant le mois, fin août. Voilà, ça c'est mon objectif. Donc je sais, c'est pas très fair play, j'ai pas tout fait à pied, surtout l'Espagne. Mais je vais vous dire un truc, je m'en bats les steaks. Mais vraiment, vraiment. Vous savez, quand vous avez fait presque 2000 km, enfin vous les avez déjà fait, je crois que je les ai fait ces 2000 bornes, largement. Vous n'avez plus rien à faire. C'est pas grave. Je vais pas en mourir. Ah, je comprends pas, il y avait une route normalement ici. C'est pas vrai, dis-moi pas que je me suis paumé encore. C'est pas... Vraiment, il y a une route là sur la carte. Faut que je vois ça. Mais tout ça pour vous dire que ouais, là, j'ai eu ma dose. Et quand t'as ta dose. Pardon. Et quand t'as ta dose, au bout d'un moment, ton corps, tout ça, ton esprit te dit stop. Ok. Et voilà quoi, je vais pas en mourir. La terre va pas s'arrêter de tourner parce que j'ai fait ça. Moi, je me sens bien parce que j'ai déjà fait beaucoup, je trouve. Et puis après, comme je dis, c'est reculer pour mieux sauter parce qu'après, une fois que je vais travailler dans le civil et que je vais travailler et que je vais rembourser mon crédit et qu'après je serai bien. Voilà quoi. Moi, ma priorité c'est rembourser très vite mon crédit et après me barrer. Et après là, je pourrais faire comme je veux. En tout cas, voilà les amis. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Moi, je vais faire mes petits plans tranquillou de paysage, comme d'hab. Ah, te casse pas la gueule, ce serait très bien. Et ensuite, voilà quoi, la belle la vita. Allez, bisous les amis, ciao ciao. Après avoir bien marché, j'ai fait aujourd'hui 15 km. Après bien avoir mangé, parce que retour je mange, ça fait du bien. Et mon Dieu que ça fait du bien. Et avoir bien bu. Ah, maintenant direction alors la banque. Je retire un peu d'argent liquide parce qu'on sait jamais. Et direction après de retour. Le train, j'ai mon billet de train, c'est bon. Ça c'est la bonne nouvelle. Billet de train et en avant pour Luggio. Un endroit clé où est-ce qu'il me restera plus que 100 km. Je suis assez content. Mais bon. Je suis assez content, quand même pas content, parce que bon. Je commence à me connaître. Voilà. Je suis assez sportif et bon, bah, ça me dégoûte de gruger autant, mais. Si je veux avoir fini pour août. Bah voilà, j'ai pas le choix, quoi. Donc je dois le faire. Donc voilà, les amis. Voilà les nouvelles. En tout cas, bon, les derniers 14 km c'était joli, j'ai eu des belles montagnes, tout ça c'était très joli, mais. Ah, au bout d'un moment, quand tu marches, les montagnes tu les as assez vues. Allez, où est la banque? Let's go! Bon, bah voilà, direct, hein. Au moins c'est fait.
Et en plus de ça, je suis en première place pour regarder. Alors ça c'est original parce que en France on n'a pas ça. Là je suis dans un bus parce que je suis vraiment au tout premier. C'est excellent. Et je vois tout. C'est excellent, c'est comme si je conduisais. J'adore ma vie. Allez, on continue. Oviedo me voilà. Bon, et ben voilà les amis. Je suis arrivé. Maintenant, Lugo. Je suis à Lugo. Je suis trop content. Et maintenant, bon bah voilà. Hein? Ah, donc il y a cru le gars que je le filmais, mais non, je ne filme que moi. Donc voilà quoi. Donc voilà, Lugo, Lugo. Maintenant que je suis à Lugo, direction. Direction quoi? Direction. À une autre ville. Je vais regarder. J'ai même pas fait le point de topo, donc on verra ça. Allez, c'est parti, les amis. Let's go! Allez, allez! Maintenant on y va. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai pas mangé salé, j'ai juste mangé des churros, des trucs comme ça. Maintenant, direction Santiago. Allez, let's go, on y croit, on y va. On y croit, on y va. Allez, dernier 100 km. Le tout c'est se lancer. Allez, let's go. Bon, les gars. Là, petite vidéo pour vous montrer que là, c'est pas des chemins faciles encore. C'est vraiment une forêt, mais c'est abusé les forêts ici. Je vous montre. Vous voyez, ça, c'est les forêts espagnoles. Et encore, je vous ai pas montré le pire parce que j'avais des tonnes de buissons. Alors ça, c'est les pires. Celui-là, ça pique. Et en plus, c'est des picots cassants que ça s'appelle. À savoir que ça, c'est des picots cassants. Donc quand vous mettez la main dessus. Il y a quelque chose qui a bougé là. Ah! Quelque chose qui a bougé. Il y a un truc. Il faut faire gaffe, c'est les serpents. Ah, là, ça bouge. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Faire gaffe. Mais en tout cas, ça pour vous dire, ça c'est la merde. Et c'est des picots, picots cassants. C'est-à-dire que quand vous mettez la main dessus. Bah, vous avez plein de trucs, donc moi je mets pas les mains, mais les jambes elles ramassent pas mal, et c'est pas grave, heureusement j'ai un pantalon. C'est pour ça que quand vous faites de la marche, conseil d'amis, mettez pas short t-shirt à la con là. Chaque fois je les vois, les gens comme ça avec leurs tongs. Là, vous passez dans des chemins comme ça avec les tongs et tout, vous passez pas, c'est même pas dans vos rêves, c'est simple. C'est pour ça, chaussures fermées, bon pantalon qui vous protège. Et vous allez voir, là ça va, au moins vous passez un peu partout. Bon, après je fais peut-être du hors-piste entre guillemets, parce que peut-être que je prends pas réellement le chemin de Compostelle là. Je prends encore un autre GR, je sais pas pourquoi. C'est mon GPS qui me dit ça, donc je suis bête et con, je suis. Mais sachez que bon, il me fait passer dans des trucs, voilà quoi. What the fuck, regardez comme là. Je sais pas pourquoi il me dit de passer là-dedans. Regardez, je vous montre. Voilà, va passer là-dedans toi. Va passer là-dedans. C'est de la merde. Allez, c'est parti, on va voir ça. Je suis tombé sur un truc assez original, je vous montre. Un genre de petit village, mais à l'ancienne. Je vous montre. Ah. Très sympa. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur. Si je rentre à l'intérieur, on verra. Si je peux le rentrer. Ça peut être très très sympa. En tout cas... J'aime bien le logo. Ça, c'est un logo qui me parle, ça. Comme vous pouvez voir. Sculpture à l'ancienne, j'ai l'impression. Oh. Maison de paille à l'ancienne. Oh, excellent. C'est plutôt pas mal. Ici, quand c'est vivant, ça doit être sympa. Ça me donne presque envie de me coucher ici. Ah ouais. C'est cool. Ah ouais, c'est pas mal. C'était au moment... Je sais pas.
Je sais pas où vous sonnez. Ça c'était pour faire le four, ça. Les pizzas ou le pain. Le pain, je pense. Friuli 14. Du 13 au 14 mai 2023. Mai, juin, juillet, août, ouais, c'est passé. C'est fini. Ah, c'est pas mal, hein. Ils ont laissé ici une épée. Une épée dans le temps. Pas mal du tout. J'aurais aimé un peu la pratiquer. Eh, quand même, on dirait pas, mais... Ça fait son poids, hein. Ah, quand même, hein. Ah, tu peux planter avec ça. Ah, c'est pas mal du tout. Je suis pas sûr que ce que je suis en train de faire, c'est bien. Mais je m'en fous, c'est sympa. Oh, franchement, je m'éclate. C'est pas mal du tout. Voilà, il y a ça. Et ça. Attends, je m'écoute, je dormirai ici. Castronella. Ah, je m'écoute, je mettrai ici mon duvet, vous voyez. Je me mettrai ici, là, le duvet, là, et je dormirai là. Je crois que c'est ce que je vais faire. Au moins, je suis tranquille de la pluie. Même là, à la limite. Ah non. La petite maison, c'est bien. Je mettrai mon truc là et je dormirai là. Pour moi, ce serait parfait. Je crois que je vais dormir dans ce petit village. Ce serait original. Allez, j'ai une gueule en plus, mode décomposition. Alors, je crois que je vais dormir. Allez, let's go. Bon, ben voilà. Petit réveil sympa. Voilà. Ah, je suis claqué. Mais bon. Bonne nouvelle, c'est que Mélide, il reste 30 km. Et après Mélide, il reste 50 km pour aller jusqu'à Compostelle. Donc, bientôt la fin. Donc la question se pose, est-ce que je continue après, malgré Mélide, à encore taper encore 10 bornes de plus, genre de la nuit ou quoi, parce que il y a 8 h, je sais pas si j'arriverai à faire 40 bornes. Je verrai bien. On va voir. Espérant que la route est sympa. Bon allez, on va voir tout ça. Allez, let's go, on se réveille. En avant. J'ai cette petite vidéo parce que je voudrais me rappeler de ce moment où est-ce que là, c'est vraiment magique. Des fois, je passe dans des endroits mais de forêt, mais c'est... T'as l'impression que c'est la forêt amazonienne, quoi. Mais j'adore ça. J'adore vraiment cette sensation. En tout cas, voilà, quoi. C'est juste pour faire partager ce petit moment de forêt amazonienne alors que je suis en Espagne. C'est pas mal du tout. Vraiment truc aventure, j'adore ça. Allez, continue. Let's go. Petite vidéo rapide pour dire que je reste où je suis. Il fait facile 39 degrés. Je bouge pas. Je reste tranquille, j'évite le coup de chaleur. Je dors, je me repose. Trop chaud. Je reprendrai la marche vers 17 h. Et je m'arrêterai vers 20 h 30, 21 h. Je fais pas le fifou là. Là. Ma santé en dépend. Allez, bonne nuit. Ah bah voilà les amis, il est 17 h bientôt. J'ai passé toute mon après-midi ici, sous le pied d'un arbre, à dormir. Maintenant que la température, je le sens, elle est un peu moins chaude, ça va. Bon, j'ai 4 heures pour arriver à la ville. On va y aller. Let's go. Ça m'a fait du bien en tout cas. Fouh. On va un peu profiter un peu que la chaleur baisse. Et on est reparti là. En tout cas, mon corps, il avait besoin de se reposer. Alors j'ai dormi. Et là maintenant, ça, je le ressens, il est de retour de l'attaque. Donc on va y aller. Et en tout cas, je remercie les arbres de m'avoir protégé. Merci. Et maintenant, on y va. Let's go.
voilà. Bon bah voilà, je suis arrivé à Mélinde, c'est cool. Voilà, super églises, tout ça. Le problème, c'est que je suis comme un con, vu que je n'ai plus que ma carte avec mon portable, et que je suis dans la merde, parce que j'ai plus de carte bleue, je peux plus retirer de l'argent de cash, donc heureusement que c'est les derniers trucs. Et donc j'ai l'impression que maintenant, bah, je vais boire de l'eau, que de l'eau. Que de l'eau tout le long, et pour manger, ça va être assez difficile. Donc on va voir comment ça se passe, mais j'ai l'impression que dans les trucs assez aisés, cool, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Bref, c'est génial. Ma vie est belle. Allez, continue. Bon, petite vidéo rapide. Putain, j'arrive au fin fond de l'Espagne. Il y a un mec là qui m'a pris la tête. Je croyais que j'allais l'emplâtrer. Juste pour un tampon. Juste pour un tampon. J'ai juste voulu... Ok, j'arrive à une auberge, je vous explique l'histoire. J'arrive à une auberge, ok, il est tard. Il est tard, c'est la fin. Bon, voilà, je suis arrivé tard. Il me dit c'est fermé. Je dis ok, pas de problème, fermé, ok, je vais pas embêter. Je vais dormir dehors, pas de problème. Après, le gars, il joue... Après, bon, donc je pars, je remplis mes gourdes d'eau. Je me dis allez, petite marche de nuit. Je vais me faire encore un petit 5 bornes, histoire d'avancer un peu. Et là, j'oublie, je fais merde, c'est vrai, j'ai oublié mon tampon. Mais tiens, je vais juste... Donc je re-rentre dans le truc, pour juste me faire tamponner, tu vois, je dis, bon, je veux juste le tampon et je me gars, allez, go, allez, go. Le mec, il me fait, non. Je fais, ah non, juste un tampon, and I go. Et le gars, il me fait, non, 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 go, it's closes, goodbye, 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 mais en mode énervé, tu vois. J'ai ressenti son stress. Ouah, mais d'une force, là, je me suis énervé, j'ai failli l'emplâtrer, quoi. J'ai dit, mais toi, mon gars, là, t'as tout ce que je veux, c'est un tampon, quoi. Et le gars, non, non. Il a joué l'énervé en mode protecteur, genre j'étais un méchant, quoi, qui voulait casser les couilles à tout le monde, alors que je voulais pas casser les couilles à tout le monde. Tout ce que je voulais, c'était juste un tampon et me casser, quoi. Et le gars, il prend les tampons en mode, non, et tout. Ouah, je lui montre mon crédentiel, hein. Je lui fais, non, je veux juste un crédentiel, je veux juste un tampon et I go. Le gars, il fait, non, 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 closes, closes, closes. Mais en mode, ça y est, j'étais un tueur ou quoi? Ouah, je te jure. Ah là, il m'a gonflé là. Là, il m'a gonflé. Il m'a pris pour de me prendre. Je crois qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est de me prendre pour ce que je ne suis pas. D'un coup, je deviens la personne qui a envie que je sois. Je crois que c'est humain. Ah, il m'a remonté. Il m'a remonté, mais d'un coup, j'ai cru que j'allais le démonter sur place. J'allais dire waouh. Là, je crois que là, bon, si je l'aurais démonté sur place, j'aurais eu tout faux. Et en plus de ça, j'aurais eu un problème, en plus chez les flics et tout le bazar et tout. Bref, c'était pas le but. Ça aurait été la merde. Mais en tout cas, bon. C'est assez original, quoi. En tout cas, voilà, quoi. C'est bon à savoir. Bon, je vais suivre le chemin de Compostelle de nuit. Au moins, il fait bon. Petite marche de nuit tranquille ou bilou. Je me prends pas la tête. Et je dormirai plus tard. Bon, ben voilà. Allez, c'est ici que je dors. J'ai trouvé un endroit assez plat, tranquille. Ah, on va se mettre une tonne de anti-moustique et dodo, quoi. De la chance, il pleut pas. J'ai marché quoi? 3-4 km. Ah, il m'a énervé, le mec. Le mec, il m'a énervé, je te jure. Ça m'a fait du bien un peu de marcher. Je pense que y a rien de tel. C'est que quand quelqu'un t'énerve, d'aller marcher et te laisser tranquille. Bon, je vous montre où je dors ce soir. Alors, où est-ce qu'il y a la lumière là-dedans? Voilà. C'est un endroit où il y a une table. Tranquille. Vous voyez, c'est un truc pour justement les pèlerins. Une poubelle juste là à côté. Et voilà. Dormir est là. Et pour m'emmerder à mettre le tarp, juste mettre pas mal d'anti-moustiques. Foutre mon matelas là, juste ici là, parce que ça côte là c'est droit au moins. Je dors là et terminé quoi. Côté d'un arbre en plus, c'est parfait. Ça me donnera pas mal d'énergie. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et prenez soin de vous. Bisous. Et surtout gardez votre calme. Même dans les situations où vous avez envie de défoncer le gars. Gardez-le. Parce qu'autrement, problème, souci, angoisse. Et bisous. Ciao. Ah bon, bon là les amis, allez, hein, c'est parti, on y croit, on y va. Hein. Let's go, hein. Allez,
C'est bon, on est parti. Plein de gens qui sont sur la route au final, je vois. Ouais, ça y va là. Donc bon, je me suis réveillé à 6h30. Réveillé 7h. On profite de la. Du petit matin pour se lever, pour aller faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire marcher. Allez, aujourd'hui on est parti pour une trentaine de kilomètres. Tranquillou bilou. Ah, si tout va bien, demain, bientôt la fin quoi. Allez, let's go. Ça s'énerve plus, ça sert à rien. Ah, je le ferai tamponner ailleurs, mon crédentiel. Allez, je suis calme. Let's go, bisous. Ah, 41 minutes de vidéo, ça fait plaisir. Bon, c'est ça le problème quand tu fais Compostelle et que t'as pas de PC avec toi. Tu sais ce qui est chiant, hein? Tu sais ce qui est chiant? Eh ben c'est la place. Ouais, 41 minutes, ok, pour filmer les derniers instants, parce que demain, c'est bon, je suis arrivé à Compostelle. Et là, je suis avec une amie de Lectour. On s'était rencontrés à Lectour, et vous savez quoi? Eh ben, on s'est retrouvés. C'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai pris un chemin totalement différent. Elle a pris le français, le L français, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai pris le L norté. Et je vais vous dire un truc, moi j'ai triché, vous savez que j'ai triché, j'ai pris le bus et tout. Et malgré tout, elle est devant moi. Vous avez vu? Vous avez vu comment elle est trop forte? Moi de mon côté, je suis un gros caca. Bon allez. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, continuez. Bisous. Allez les amis, 27 km qui me restent. Bon, je n'y arriverai pas aujourd'hui, 27 km. Ce soir, je dors au culasse, donc 27 moins 9. Demain, il me restera 18 km. Autant vous dire, ce sera très facile. Donc demain, si tout va bien, et tout ira bien, il y a la messe le midi. Donc la messe le midi à Santiago. Mon arrivée. Yes! Et mon arrivée, du moins, mais pas encore, parce qu'après, moi, c'est Finisterre. Donc après, il me restera encore 80 km encore à taper. Bon, 80 km en... deux jours, trois jours, c'est balayé. Ce sera rapide. Mais en tout cas, je suis content. Car officiellement, j'aurai fini Compostelle. Finisterra, c'est pour la beauté du geste et surtout pour ma victoire personnelle. Parce que pour moi, c'est important de devenir papillon. Et surtout, c'est un message fort que j'envoie à mon fort intérieur qui est très important. Donc, je suis très heureux les amis, de vous annoncer que demain, Compostelle, pour moi, ce sera bon. Ah, en fait, je crois que je réalise pas encore que je suis arrivé. J'arrive pas encore à voir les choses, mais ça va arriver, ça va arriver. Et quand je vais les réaliser, de dire putain, j'ai fait 2000 bornes. J'ai parti du point A au point B et j'y suis arrivé. Je crois que ça va me faire un petit quelque chose quand même. Et je pense que ça va être intéressant. Bon allez, sur ce, à toute allure. Bisous. Ouais, petite vidéo rapidos. On va dire que je continue encore ma marche. Moi, tout le monde, je remarque ceux qui ont été avec moi. C'est marrant quand ma plume elle est là-bas. Tout le monde s'amuse, tout le monde fait la teuf. Évidemment, pour eux, c'est la fin. Pour moi aussi, c'est la fin, mais je suis pas d'humeur à faire la fête. Alors, je continue à marcher tranquillou. Moi, il me reste 19 km. Là, je vais taper un petit 10 km tranquille de nuit. Parce que j'aime ça, le marcher de nuit. Je trouve que c'est fort agréable de marcher la nuit. Surtout en Espagne. Parce que dans la nuit, il y a quelque chose de magique en Espagne, la nuit. J'adore ça. Et j'aime bien, c'est la température est juste top. Donc moi je continue ma petite marche, j'en ai pour 2 heures de route là, à peu près pour faire 10 bornes. Un peu moins parce que j'ai l'impression que je marche beaucoup mieux la nuit. C'est un truc de fou. Donc voilà quoi. Juste pour dire ça tranquille, j'ai bien mangé. J'ai de l'énergie à revendre. J'ai mal aux pieds, mais c'est pas grave, une fois que c'est chaud ça passe. Et voilà quoi, tranquille ou bilou. On continue ce life. Ouais, c'est parti. Compostelle me voilà. Et demain, j'aurai plus que 10 km à faire. Même pas. 9. Donc, je suis content. Allez, let's go. En avant.
Bon, bonjour les amis, allez. Ah, je vais me lever, c'était sympa. J'ai dormi sous un arbre. C'était cool. Et maintenant, au réveil. Bon, il me reste quoi? 9 km. 9 km avant d'arriver à Saint-Jacques. Donc voilà. C'est quasi la fin là. Donc en avant. En avant les amis, let's go. C'est la fin. On fait ça avec le plaisir. On rigole. Et voilà quoi. Je marche sur des œufs, j'ai vraiment mal. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Hein, 2000 km. On reste pas indemne avec 2000 km. Allez, c'est parti. Encore des montées, encore des descentes. 9 bornes, c'est quoi? 2 heures, même pas. Allez, let's go. En avant, et avec le sourire. Let's go! La 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 la, bientôt la fin. Oh bah voilà les amis, hein, bientôt la fin. Avec un copain. Luca. Avec Luca, voilà, il vient de Pologne. Bonjour. Voilà. Et voilà, on a fait la connaissance et tout. C'est un metteur en scène. Hein. Donc voilà, super, un super mec. Et là, j'arrive à la cathédrale. Super, donc il fallait que je filme ça. Et c'est bientôt. Dis-moi pas que c'est pas ça quand même. Non, c'est pas ça. Donc, 2000 km plus tard. Ah bah si, c'est ça. C'est ça? Non. Non, non. Ah, after. J'allais dire. Je vous montre quand même. Merci. Thank you. Ah, c'est joli, hein. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Allez. On va y arriver, on va y arriver. Bientôt la fin. Alors. Ah, voilà, la voilà, la voilà. Enfin! Bon alors il y a ça. Ah ouais, elle est belle hein. Ah ouais, elle est fermée. Ils ont pas menti. Enfin la voilà. Yeah 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 yeah, 2000 km. 2000 km Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin. Enfin les amis, j'y suis arrivé, je suis là, devant tout le monde. Yes, 2000 km. 5 mois. Voilà les amis, enfin. Je suis trop content. Ça fait bizarre. Enfin arrivé, super. Ah, regardez-moi ça. Et ben voilà, ça c'est fait au moins. Bon, ben maintenant on a le temps de pouvoir poser mon sac, être bien, et me reposer un petit peu. Et après, aller à l'intérieur et voilà. Je suis content. 2000 km les amis. Et maintenant que je suis devant, je me dis que c'est pas si énorme que ça au final. Ah. Bah allez, on continue l'aventure. Let's go. Petite vidéo tranquille pour vous dire qu'à quel point c'est magnifique quand même Santiago. Je connaissais pas. Ah. Si c'est pas la loi de l'attraction, ça je sais pas ce que c'est. Ah putain. Ouais, comme je disais, c'est vraiment la loi de l'attraction parce que cette fille, normalement, on devait pas se revoir, enfin je pense pas. Et hasard, je retombe dessus, comme par hasard. Super sympa cette équipe. Super, super sympa. Bon, tout ça pour vous dire que mon ressenti, ben, ça va un peu mieux, j'ai dormi, tout ça. J'ai eu mon petit moment émotion, j'avoue. J'étais en mode, waouh, c'est beau, je suis content. Maintenant, je vais retrouver ben, d'autres copains que je me suis fait vite fait sur la route. Rapidos. Et ensuite, bon, demain, je crois qu'à 9h, je vais aller à la messe. Et puis après, je vais essayer de voir pour aller à Fisterra demain. Tranquille ou bilou. Je vais voir comment je vais faire, je vais me démerder. Et voilà quoi, après, rien de spécial. Hein. Là, c'est... on va profiter, c'est original, donc je vous montre un peu l'ambiance. Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Il y a des concerts un peu partout. Regardez comment c'est beau en plus, on est vraiment dedans. Il y a un genre de spectacle en plus, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est. On va voir.
là-bas. Avoir mon petit rouleau, comme quoi j'ai bien fait autant de kilomètres, et mon dernier tampon, et voilà quoi. Pour moi, Compostelle, c'est fait, c'est acté. Donc demain, Fisterra, demain à 9h, je suis dans le bus, Fisterra, avec mon maillot de bain, tout ce qu'il faut et tout. Au moins, je suis tranquillou bilou. Et ensuite, après, une fois que j'ai fait ça, je rentre à la maison, quoi, et c'est fini pour moi, entre guillemets, l'aventure de Compostelle. Donc voilà, c'est bon, je l'ai. J'ai mon crédentiel, j'ai mon passeport, j'ai tout ce qu'il faut. Donc maintenant, je suis tranquille, Hakuna Matata. Bon, alors, pour la petite histoire, sur mon crédentiel, il est marqué 1800 km et pas 2500. Bon, sachant que j'ai déjà fait plus de 2000 à pied, ça c'est certain. Bon, après, c'est pas grave, je leur en veux pas, parce que c'est normal, parce que j'ai commencé à avoir mon crédentiel à partir de Vézelay. Donc, ils m'ont compté seulement le chemin à partir de Vézelay. Et je l'avais pas quand j'étais en Belgique. Donc, c'est pas grave, je vais pouvoir mourir. Mais au moins, pour la petite histoire, sachez que j'ai fait plus de 2000 km, quoi, c'est sûr. Même si j'ai triché un peu avec le bus. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir mourir. L'important, c'est que j'ai les papiers, voilà, j'ai ma petite fierté personnelle, c'est cool. Voilà, je ramènerai ça, je vais encadrer ça, histoire d'eux. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que dans mon crédentiel, dans mon certificat, j'ai mon nom, j'ai mon prénom et mon nom écrit en latin. C'est pas mal du tout. C'est sympa. Donc voilà, je suis content, je l'ai, voilà, ça fait plaisir. Allez, sur ce, bisous, bonne journée, et prenez soin de vous. Bon, ben voilà, les amis, je suis devant le phare du Finistère. Bon. Le truc, c'est que j'ai pris le bus et que j'aurai pas le temps d'aller dans l'eau. Hélas, c'est la vie, c'est comme ça. J'aurai pas le temps. Mais c'est ainsi que va la vie. C'est dommage, j'aurais bien aimé aller dans l'eau rapidos et ressortir et dire voilà, je l'ai fait. Ouais, c'est parce que bon, c'est le bus qui veut ça, il dure même pas une demi-heure le bazar. Donc voilà quoi. C'est la vie, je vais pas me prendre la tête. Je suis content, je suis à Fisterra et c'est vrai que c'est très joli. Je vous montre. Allez, moi ça. Voilà, les amis. Bon, moi je l'ai fait et j'y suis arrivé. Allez, ce sera la fin.
la dernière, ce sera le dernier épisode du monde du polo, du moins pour Compostelle. Et je suis très content, après ça va être de rentrer chez moi, travailler et repartir. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bisous les gars et merci pour tout, ciao. Enfin devant l'eau. Oh bah ça va être le moment où est-ce que je vais peut-être me mettre dedans, hein. J'ai pas encore été trop dans l'eau, mais c'est le moment de devenir papillon. Oh là là. Je suis assez dubitatif quand je vois l'eau. Je me dis 2500 km et voilà, je suis devant. Vous savez ce que ça me fait comme effet? Bizarre. C'est à la fois je suis triste que ce soit fini le voyage, et à la fois un peu content. Mais vous savez, une fois qu'on devient papillon et qu'on s'est volé, c'est pas tout. C'est en fait, c'est une fois que t'es papillon, c'est apprendre à voler maintenant. C'est encore un nouvel apprentissage et c'est une nouvelle aventure. Ça paraît simple comme ça quand t'es tout en arrière. Parce que tu t'imagines pas, mais maintenant que là je suis devant l'effet là, que je me dis que là c'est un genre de, pour moi, une deuxième vie, une deuxième baptême. Je vous assure, ça me fait bizarre. Je me dis que j'y suis arrivé. Tout seul comme un grand, c'est vrai. C'était mon but du début. Depuis le début de l'aventure, quand on remonte 5 mois en arrière. Et là, je suis devant. Et j'ai un peu d'appréhension. Parce que j'espère être digne de cette nouvelle transformation. J'espère pas faire les mêmes erreurs. En fait, c'est la peur de refaire les mêmes erreurs comme avant. Je crois que c'est ça qui me fait peur. Ouais. Mais je pense pas que je ferai les mêmes. J'en ferai d'autres. Ça, c'est sûr. Mais pas les mêmes. Donc voilà les amis. Ça va être original tout ça. C'est très original. Bon allez, en avant pour aller se baigner là-dedans. Let's go. Thank you.